drive-by. History in the making, ho. You can hate like T, I say you really wasting time, though. I ain't gotta fake the deal. Y'all know that I keep it real. I'ma speed it how I feel. Tell them who a nigga is. You're listening to a legend. Straight from the underworld. A black but had gold teeth and a nouveau girl. That was then, this is now. Just when you think it's over with, keep on in the chamber. Blast your ass with another hit. Yeah, I shot the girl. Hustling folks, screaming with the trick. Black, white, young, old. Mainstream was on the shit. Award winning, Grammy nominated. Check my resume. A true rap hustler from Memphis to the fucking Bay. Le troisième combat de la soirée est prévu pour trois rounds dans la catégorie des poids moyens. Il vous est présenté par la bijouterie François Quentin. Les juges pour ce combat, Richard Blouin, Pasquale Procopio et David Terrien. L'arbitre du combat, M. Philippe Chartier. Je vous présente tout d'abord dans le coin, Popeye. Il représente le Spartan Fight Club, mesure 6 pieds 3 et pèse 185.2 livres. Introducing first, standing at 6 feet 3 inches tall, weighing at 185.2 pounds. Il en est à son premier combat professionnel ce soir, making his professional debut tonight, l'Anaconda, Martin Leblanc. Son adversaire ce soir est dans le coin, Exoshop. Il mesure 5 pieds 11 et pèse 183.8 livres. Across the cage, standing at 5 feet 11, weighing at 183.8 pounds. Il en est également à son premier combat professionnel ce soir, making also his professional debut tonight, Mathieu le Démolisseur Ludley.
sadness in my Three.
L'arbitre Philippe Chartier met fin au combat à 41 secondes du troisième round. Referee stops this fight at 41 seconds of the third round. Le vainqueur par soumission suite à une guillotine debout. Here is your winner by tap out due to a standing guillotine choke, l'Anaconda, Martin Leblanc. Martin, gros combat. On t'a senti en contrôle quand ça se passait debout. J'imagine que le plan de match était ça, si on reste debout le plus possible. C'était le plan de match. Je peux pas te compter de mentir. C'est de mettre ça dans la face. Bon, ben on a fini avec une guillotine. Je vais le prendre. Fait job. Beaucoup d'expérience et une très bonne fiche combinée en boxe, en kickboxing et aussi en arts martiaux mix amateur. Justement, tu savais en abordant ce combat-là que tu allais essayer de rester debout. Quand tu étais au sol, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti plus en danger ou tu savais que tu allais gagner ce combat-là? Bien, en fait, là, je peux pas dire après deux rondes, je savais que je perdais les deux premiers, mais j'étais pas en danger. J'étais sur mon dos puis je donnais des meilleurs shots qu'il me donnait. Donc, ça a joué un petit peu là, de mon côté. Je voyais qu'il se fatiguait. Puis quand j'y ai touché, ben là, je me doutais ce qui allait arriver. Excellent. Puis, es-tu déçu de ne pas avoir fini ça avec un KO ou tu es content pareil? Tu peux pas être déçu de gagner à ce jeu-là. Regarde, c'est tout qu'un guerrier, là. Il était fort comme un ours, il était tough. Regarde, je peux pas te dire, hey, je suis déçu, j'ai guillotiné ce gars-là, c'est pas vrai. Là. Je suis vraiment content, je peux pas être plus content. Une très bonne finale pour un très bon combat. Mesdames, messieurs, l'Anaconda, Martin Leblanc!